Je m'appelle Colina, bonjour, on se retrouve pour un tout nouveau court-métrage pour le premier épisode du chapitre 8 et le premier épisode sera déjà avec le retour de Maeve. Je sais que c'est pas ça, mais ça sera le retour de Maeve. Et comme vous le voyez, un nouveau portail vient d'arriver à Tilted Stronghold. Demain, les gobelins, je vous dis bien, demain, il y aura le skin Predator. Et on va pour... Oh, j'ai la manette de Joseph Chir, regarde, j'ai la manette de Joseph Chir. Bah moi aussi, regarde. On a tous les deux les mêmes. Oh voilà, du coup, en fait, ce portail, je vous explique. Ouais, du coup, regardez, quand on va rentrer, en fait, chaque portail a une particularité. Oh voilà, vous voyez. Ouais, voilà. Chaque portail a une particularité. Par exemple, le portail de The Walking Dead qui est. Vers ici, ici, le portail de Walking Dead qui est vers ici, et ben quand on rentre dedans, on devient un zombie. Dans ce cinéma, on devient un zombie. Le portail Marvel qui est ici, et ben on perd la mémoire. Et du coup, le portail de Predator qui est actuellement ici, du coup, là où on est, et ben le portail de Predator, et ben quand on rentre dedans, on devient un monstre, parce que vous savez que Predator c'est un monstre et tout, voilà, c'est un monstre, et chaque particularité est en rapport avec le portail. Du coup, et ben Predator, il y a que les gens qui viennent de la réalité. Attendez, regardez, en fait tous les gens qui viennent de la réalité comme John Jones, Janice, ils peuvent supporter. Et la seule qui vient d'un autre monde, du coup qui vient pas de la réalité, et la seule qui peut supporter, c'est Maeve. Parce que Maeve, enfin, parce que Predator déjà, c'est le pire ennemi de Maeve dans les Sarcinébats. Du coup voilà. Et du coup, ben voilà, quand on va rentrer dedans, parce que vous savez que Predator c'est un monstre et tout, quand on rentre dedans, on devient un monstre, ça veut dire que si, par exemple, on entend tout depuis tout à l'heure, les bruits de Predator, hein, de Stilty Stronghold. Du coup, quand on va rentrer dedans, par exemple, si, par exemple, Vendetta qui rentre dedans, il y a Vendetta qui rentre. Ah, attends, il fait la scène, il y a encore un second métrage. Il est comme ça. Je vais tous vous tuer. Voilà, bon, c'est comme ça en gros le portail de Predator. Du coup, dans le court métrage, on va dire que Maeve va sortir de là. Oh, j'ai une idée. Va Tilted Stronghold, du coup, construit là, prends des constructions si t'en as pas, et construit. Et comme ça, on va. Et va dans le bureau, enfin, va dans l'endroit où il y a. Voilà, tu sais, le sous-sol. Va au sous-sol et on va dire que moi je vais arriver comme ça, et on va dire que après je te présentais le portail de The Walking Dead. Oh, mais j'ai un problème. Mais Predator et The Walking Dead, en vrai ça se ressemble. The Walking Dead c'est les zombies, Predator c'est les monstres, enfin c'est les Predators. J'ai vraiment un problème avec le portail de The Walking Dead et Predator. Bon, on découvrait le vaisseau de Predator. Ouais. D'abord je te montrais le portail et après on découvrait le portail de Predator. Allez, j'allais dire après on découvre le vaisseau. Et du coup je te mute et j'allais encore dire The Walking Dead, hein. Du coup les copains, comme une bon visionnage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je sors de ce portail? Mais attends, ce portail ça ressemble à mon monde. Le monde de Predator. Le point zéro vient encore de faire un nouveau portail. Il a fait d'abord le portail de The Walking Dead qui faisait devenir un zombie. Ensuite le portail de Marvel qui faisait perdre la mémoire. Et maintenant le portail de Predator, du coup mon portail, qui vient du coup... qui vient de qui nous fait devenir un monstre, je crois. Ouais, qui nous fait devenir un monstre. Oh non, il faut vite que j'aille en parler à John Jones. D'ailleurs,
Il doit avoir compris. D'ailleurs, il y a Predator qui a parlé. On est en plein chapitre 8 de Fort Cinéma. Et il y a déjà un secret. Predator. Et un ennemi pour nous tous. C'est pour ça que les seuls qui peuvent l'arrêter. Enfin, la seule qui peut l'arrêter, c'est moi. Et Junjun. Non, surtout moi, parce que c'est mon pire ennemi. Seul. Ouais, moi. Il va être surpris de me voir. Allez, on va. Avant d'y aller, on va écouter un petit peu ce qu'il dit. Ah, on dirait qu'il sait pas encore quel est le portail. Jan, je vais pas me blague. Oui. Je suis Predator. Bouh. Ah. T'as aimé ma petite blague? Ouais, tu m'as fait peur là. J'ai déjà chaud là. Et regarde, j'ai volé les couteaux de sagesse et vendetta. Ouais, mais le problème, c'est que t'es pas choqué de quelque chose? Ah oui, c'est toi, Maëv. Attends. Mais t'es pas mort. Je suis Predator, non, je rigole, je suis vraiment Maëv. Ah. Je t'explique. Tu parlais d'un portail tout à l'heure. Eh ben, le portail, c'est là où je viens, en fait. Le portail, enfin, c'est le portail qui m'a réanimé, quoi. Et viens voir le portail est en rapport avec Predator. Comment ça? Tu vois, il y a quelques semaines, et ben, désolé, on était en recherche déjà pour trouver des nouveaux équipements pour moi, et aussi on avait découvert Predator qui était venu dans le monde de Fortnite. Et qui a voulu nous attaquer. Eh ben viens voir. Eh ben du coup. Attends, je me promène. Attends. On disait que le vaisseau, on le voyait pas encore. Bon. Viens. Oui. Ok, ouais. Ben on passe par là. Attends, on passe par là, c'est plus proche. Et du coup, eh ben il y a quelques semaines, eh ben on avait découvert Predator. Et du coup. Pendant ces semaines, Predator a fait venir son portail par le point zéro, mais on sait pas encore comment il a fait. Il faut le découvrir. C'est derrière. Alors, fais attention. Enfin, non, Toto, ça te fait rien. Mais, attendez. Vous voyez, chaque portail, il nous faisait devenir un zombie. Le portail de Marvel qui nous faisait perdre la mémoire. Et ce portail qui nous fait devenir un monstre. Comment tu sais? Bah, j'ai vu les informations de Fortnite. Ok. Ce portail nous fait devenir un monstre. Et du coup, si on rentre dans ce portail, on est dans l'équipe de Predator. Regardez. Le portail est juste là. C'est bien ce que je pensais. Et c'est là où je viens. C'est bien ce que je pensais. Et devinez, c'est le portail de qui? Allez. Oui. Oui, mais vous savez que Predator humain est le pire ennemi. Traverse. Ah ben vous venez de tuer un Predator. Ah il a plusieurs clones. Enfin c'est pas plusieurs clones mais c'est qu'en fait il a plusieurs il y a plusieurs Predators dans Predator. Ah bon ben vous venez de faire détruire un vaisseau. Et dedans,
il y avait un prédateur. Mais sinon, prédateur a dû faire ce portail pour amener ses frères et tout. Attendez. Pourquoi on va explorer Stilty Stronghold? Parce que dans le portail, c'est en jungle. Oui, mais attendez, c'est peut-être qu'il y aura des indices sur Predator. Venez voir. Venez, attendez, j'ai un bureau. Venez, j'ai un bureau. J'en bas. J'ai genre un petit bureau secret. Voyons. C'est mon bureau, au cas où que mon bureau secret. Mais ça. Et ces trois chaises. C'était pas les chaises que Midas avait remplacées pour son agence quand il avait plus ses chaises en or. Ouais, mais je l'ai détruit. Ok, venez. Pour l'instant, je l'utilise pas. Bon, il doit avoir le vaisseau de prédateur quelque part. Ah, et je crois que je l'ai trouvé. Regardez là-bas, il y a le vaisseau de prédateur. Predator est bien dans Stilty Stronghold. Alors le portail mène vers Stilty Stronghold. Non, le portail il vient pas, et enfin il amène pas à Stilty Stronghold, il amène dans le monde de Predator et du coup dans mon monde. Ouais, okay. Ça doit être son coffre secret qui doit contenir des armes. Pour le temps, il y a indestructible, il y a juste le... Il y a juste devant qui peut le défaire. Le vaisseau va avoir que récent. Mais apparemment... attendez. Apparemment, demain, Predator va se montrer à son cinéma. Et va commencer à mettre la sylvanie. Il ne pas sortir, vous. Ouais. Sortir, mais son cinéma sont en danger. Pas pour mais pour l'instant, enfin, ouais, demain, Predator va commenter sa contre-attaque. Et du coup, c'est pour ça qu'on sera tout en danger. Il y a trop de problèmes. Ah oui, et pour info, Jungeons, vous le savez pas, vous le savez sûrement pas, mais tout à l'heure, quand je vous cherchais, j'ai reçu une notification sur mon portable. Et il y avait marqué que Galaxy, Eclipse Galaxy et Galaxia étaient défaits. C'est-à-dire qu'il était mort. Galaxia et Eclipse Galaxy se sont fait tuer par Force Game et Force Cinema. Et Galaxy est mort d'un crash d'avion apparemment. Enfin, d'un crash d'avion. En fait, eh ben il était en train de se battre contre des avions. Du coup, il était avec des avions. Enfin, et voilà. Du coup, il conduisait un avion. Et l'avion, au bout d'un moment, il a explosé. Et du coup, Galaxy a touché le sol. Et il a touché un sol qui pouvait le tuer. Du coup, il avait 3 chances. Et le point zéro le réanimait au bout de 3 chances. Et à la troisième, et ben il mourait. Et du coup, la troisième est arrivée et il est mort. Mais pour l'instant, on a d'autres problèmes. Il y a... En problème, il y a Predator, Vendetta, Jerry Lama Maléfique, Predator, Scientifique, Visiteur et Paradigme. Il y a quand même 6 méchants qui sont dans... ici. Venez, on va aller les chasser. Les tuer. Moi, en vrai, je pense pas que Galaxy soit mort dans une sorte de... Dans Fort Game, non, mais dans Fort Cinéma, oui. Allons voir ça de plus près dans mon bureau. Dans votre bureau, dans quel bureau? Ah oui, ok, donc j'ai pas. Pas le bureau de secours. Le bureau normal. Non, mais je pensais que vous parliez du bureau avec la salle du point zéro. La réalité, quoi. Non, pas ça. C'est bon, il tombe tout droit dans mon piège. Il est l'heure de les piéger.
Ils vont mourir. Oh tiens, on a trouvé une salle. On va dire qu'après on peut plus sortir. Et les prédateurs ils nous avaient enfermés. Ok. Bon, viens. C'est parti. Je referme. C'est bon. Ah. T'as prévu à manger? Ben j'ai pas trop eu le temps. Et en gros, si vous savez pas, ça fait quelques semaines que je suis partie, mais dans mon monde, ça fait des années que je suis restée dans mon monde. Ça fait des années que je vous ai pas vu. Pour dans ton monde, ici, ça fait que des semaines. Oui. Quand j'étais dans mon portail, du coup dans mon monde, j'étais toute vieille. Du coup, ben j'allais bientôt mourir parce que j'avais 230 ans. Et du coup, j'allais mourir. Et là, il y a le portail du point zéro qui s'est créé. J'ai réussi à rentrer dedans et je suis redevenue comme avant. J'ai bien eu de la chance cette fois. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, John? Une mise à jour pour quand, demain? Oui, pour demain. Je pense que ça sera demain. Venez les petits! Oh, je vais faire à manger. Peut-être qu'on va pouvoir manger. Venez, on va aller chercher. Comme ça, on va pouvoir manger. Jen Jones, vous avez les clés? Oui. Attendez. Là. Ah. Oh non. C'est la fosse. Attendez. Là. Ah. Mais personne marche. C'est ma dernière clé. Oh, ça doit être Prédateur qui nous a enfermés. Oh, j'ai tout. Et oui, les petits, je vous ai enfermés. Waouh, tu nous as enfermés. T'as pas de chance. J'ai tout. Par contre, ta voix, s'il te plaît, arrange-la. Ouais, j'avoue. Maëve, t'es ma pire ennemie. Je te tuerai. Ouais, ben, pour l'instant, c'est pas prêt que ça arrive. Si on est bloqué ici, ben, tu nous bloques 10 ans. On va rester 10 ans en vie. Non, mais t'inquiète, j'ai tout prévu. Ok, John. Alerte rouge. John Jones vient de refermer le bureau. Mais tu viens de le refermer sans faire exprès. Non, mais regarde. Alerte rouge. John Jones vient de refermer Fortnite. Vous pouvez plus jouer pendant 10 ans. Vous tuer. Non, pas pendant 10 ans. Et alarme, toi tu bugs. 10 semaines. Mais pas 10 semaines, tu bugs encore. Un jour. Ah, c'est mieux. Mais un jour, ça veut dire on peut plus sortir du bureau? Mais si, regarde. Ah, ton alarme a bugué. Ah, je voulais dire une seconde. Ah, bon, bah voilà. Seconde. Non, pas une seconde. 20 secondes. Ok, bon. Ils ont réussi à s'échapper. Je vais les tuer. Je les retrouverai. Allez, viens, John. Il faut retrouver Predator et enfin le tuer. Non, mais d'abord, on va chercher à manger parce qu'on va manger. Oui, j'avoue. On se sépare. Hein. Ok. Tan, 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 tan. Ah! Ça m'attaque! Allez! Est-ce que vous pouvez résister à ça, les enfants? C'est Predator qui nous les a envoyés, c'est sûr! Oh! Non! Je peux pas tout résister, John! Moi je peux mourir par contre! Je suis une chasseuse, mais pour une fois, ils sont beaucoup trop. Et en plus,
C'est les gardes de prédateurs. C'est encore plus risqué. Ah. Moi, je prends des risques. Ça. Ça. Ah. Non. Comment ils ont pu résister à ça? Mon prochain plan sera demain. C'est bon, c'est le dernier. Ok. Tenez, John. Heureusement que j'étais là. Heureusement que j'étais là. Merci beaucoup, John. Ah, ok. Demain, ça sera la bonne. J'ai pour enfin les capturer et les faire cuire et les manger. Et comme ça, je serai le maître du monde. Et je vais devoir tuer les 7. Je dirais que tu t'es pas mute, Predator. Oh mince, j'ai activé le micro. Tout le monde a entendu non. C'était une blague. Ah. Bon ben... Message enlevé. Enfin, message coupé. Enfin, micro coupé. Bon. Ah, c'est bon. Alarme, arrête de bugger. Je vais te détruire. C'est quoi cette alarme? John, vous avez entendu? Quoi? J'ai entendu un espèce de bruit vers le portail. Un espèce de bruit. Je pense que c'est encore Predator. Il est toujours là pour nous faire... Bon, tu vois. C'est parti. On les voit, qui prépare? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'ai l'impression que le portail il m'attire. Moi aussi. Là j'avais disparu. Là j'avais disparu, on va dire. Ok. Jane Jones. Attends, je te mute. J'ai réussi à te capturer, Maeve. Et maintenant, plus personne ne va pouvoir m'arrêter.